Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour nous. Toi et moi. Béni soit l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Nous bénirons l'Éternel dès maintenant, à partir de qu'on y est. Et pour toujours. Premièrement, quand les incrédules demandent où donc est le Dieu, incrédule, c'est mon qui pas croyant. Les hommes disent, côté bon Dieu, ouais. Somme 115, verset 2. Ayons le courage de répondre à toutes les questions. C'est pour nous avoir courage pour répondre à toutes questions, ouais. Et d'opposer notre joyeuse adoration à leur infidélité. 2. Lorsque conscient de la grâce divine, nous ne saurions nous empêcher de chanter l'Éternel. De chanter l'Éternel se souvient de nous. Psaume 115, verset 2. Bon Dieu, songez, ne pas oublier, non. En de tels instants, Bénissons l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est pour nous bénir l'Éternel depuis qu'on y est et pour toujours. 3. Lorsque Dieu nous accorde un renouveau spirituel ou un réconfort particulier, quand l'affirmation 4 fois répétée, il nous bénira s'est accompli dans nos vies et que le Seigneur nous a enrichi des bénédictions sur les plans familiales. Et sur le plan personnel, Psaume 115, verset 12, 14. Alors, que tout ce qui est en nous, c'est pour tout ça qui est en nous, bénisse le saint nom de l'Éternel. C'est pour nous, non, c'est pour corps, non, c'est pour esprit, non. C'est pour tout ça qui est en nous, c'est pour bénir l'Éternel. 4. Lorsque nous sommes amenés à confesser le nom de Jésus, excuse-moi, c'est pas là, non, c'est le nom de Jésus. Lorsque nous sommes amenés à confesser le nom de Jésus, c'est le moment d'entonner le chant de l'orange qui durera notre vie entière. Que les services du Seigneur s'accompagnent des cantiques. 5. À chaque jalon de notre existence, début d'année, anniversaire, etc., bénissons Dieu. Commencement d'année, anniversaire, etc. Bénissons Dieu pour les péchés pardonnés. Pour péchés qui pardonnés, bénis mon Dieu. Non, la grâce surabondante, les craintes bannies, les espoirs réalisés. Bénissons l'Éternel. Maintenant, magnifions le nom de l'Éternel. Magnifions le nom de l'Éternel qui nous lève, proclame sa louange. Et qu'en silence, nos cœurs bénissent son Saint-Nom. Pendant trop longtemps, Dieu a été à cause de nous privé de la gloire qui lui due. 4e point, c'était prolongement jusqu'à dans l'éternité. Prolongement jusqu'à dans l'éternité. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant, à partir de Kounia et pour toujours. La lassitude fatigue. Hein? Découragement ne saurait interrompre le cours de nos louanges. Car nos forces se renouvellent dans la louange. Force non. Qui côté force nous renouveler? Force non yo. Il renouvelle dans l'orange. Il a plus rebondi dans une force. Sinon affaibli. Sinon accablé. Pendant la pleurer, Seigneur, dans une force. Ce n'est pas non plus une chute qui nous arrêtera dans la louange. Le Seigneur gardera notre âme dans ses voies. Il nous fournira chaque jour de nouveaux sujets de louange. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Grâce, miséricorde. Il renouvelle chaque matin. 3. La mort même sera impuissante à arrêter nos louanges. Même la mort pas qu'à bloquer l'orange, non. Au contraire, elle les sublimera
en l'être inconnu jusqu'alors. Quatrième chose, aucune circonstance, de toute sens, si dramatique soit-elle, bah ben qu'on est qui niveau circonstance là. Circonstance dramatique soit-elle, n'interrompra nos accents de gratitude envers le Seigneur. Pas de rien qui est capable de bloquer, alléluia. Gratitude non envers Seigneur, ça c'est affaire pour nous. Rien, absolument rien, pas de rien qui est bloqué. Gratitude non envers le Seigneur. Dans Job 1, verset 21, il dit l'Éternel, nous sommes les hommes. On nous regarde Job 1, verset 21. Job 1, verset 21. Béni soit l'Éternel. Ok, on a commencé depuis le verset 1er. Job 1. Il dit, il y avait dans le pays du un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Nomza. Intègre et droit, pas fait dire sans péché. Il y a des gens qui comprennent leur dit que il était un homme intègre et droit, ou veut dire son monde qui sans péché. Intègre et droit, pas fait dire sans péché. Donc c'est un monde bon Dieu gagne sous lui. Béni soit l'Éternel. C'est un monde qui fait effort, qui comporte le onjan pour bon Dieu gagne sous lui. Ça va pas dire sans péché. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Ça aussi, c'est son, n'est-ce pas, les qualités de Job. L'intègre, les droites, il était gagné crainte pour bon Dieu. Et c'est détourné du mal. Alléluia. Il y a quatre bagailles là. Job était intègre, droit, craignait Dieu et c'est détourné du mal. Attendez bien, oui. Il y a des gens qui pensent, les bagailles mal arrivent en serviteur de Dieu. C'est parce qu'il fait péché. C'est parce qu'il a vu mal. Non. Job, c'est pas parce qu'il fait des bagailles qui pas bon. Ou est qualité, il était intègre, droit, craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il, lui, naquit 7 fils et 3 filles. Il avait 7 petits garçons et 3 petites filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Oui, il valait bien. Job, il avait 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Il était un peu moins qui travaillait avec. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Eloïa. Waouh! Ses fils allaient les uns chez les autres. Il avait dit petit lieu, yon allait chez l'autre. Les fêtes, yon mettait ensemble à le fêter chez l'autre là. Et donnait tout à tout un festin. Il invitait 3 sœurs à manger et à boire avec eux. 7 petits garçons, il a fêté, il a fait fête. Il invitait 3 petites filles pour venir manger avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Les fêtes la fini, Job relayait et les sanctifiait. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il tapait décédé pour petit. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Peut-être qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas bon pendant la fête. Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il avait habitude pour agir. Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint dans l'état auto. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu sorti, Satan? Satan répondit à l'Éternel. Il a répondu à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener, me promener sous terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Est-ce que tu es un serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. L'Éternel dit pas que crasse mon temps Job sur la terre. C'est un homme intègre, Édouard, craignant Dieu et se détournant du mal. L'Éternel parlait de Job. Qui est Job et qui type de monde, Job? Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est sans intérêt? Ça arrive, Satan lui dit là. Est-ce que c'est sans intérêt, hein? Job bien crainte pour mon Dieu. L'Éternel, Satan dit Job, est-ce que c'est sans intérêt que Job bien crainte pour mon Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Est-ce qu'on pas te protéger? Est-ce qu'on pas protéger Kaeli? Ou pas protéger tout ça qui appartient avec lui? Ou protéger Kaeli? Ou protéger tout ça qui appartient à elle? C'est normal pour lui. Pour lui crainte pour.
tu as béni l'œuvre de ses mains. En pile bœuf. Et normal pour quelqu'un pour. Et puis Satan dit verset 11. Mais étant sa main, touche à tout ce qui lui appartient. Mais longez-moi. Satan dit l'Éternel. Mais longez-moi au souli. Touchez tout ça qui appartient à elle. Petite li, madame, ni bête. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan, bah, l'Éternel, on défie. Il dit que si il touchait tout ça qui appartient avec Job. Et il dit, l'Éternel, ça son dialogue que l'Éternel gagne avec Satan là. Son dialogue, oui. Il dit, moi sûr, moi certain qu'il a maudit en face. L'Éternel, Satan, bah, l'Éternel, on défie sous Job. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre. Tout ça pour lui, me livre, yo, prends yo. Ben, seulement, ne porte pas la main sur lui. Là, Satan baille, l'Éternel baille Satan, on pinga. Il dit, ben, tout ça, il prend. Richesse, l'argent, timoun yo, prends yo, me livre yo avec vous. Prends yo, me livre yo avec vous. Prends yo. Mais seulement, pas mettre main sur lui. Il baille Satan, on pinga. Ça, il faut qu'on ait. Satan n'a pas de pouvoir, autorité, puissance sous vous. Si l'Éternel, pas de permission. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il retire col devant l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient. Un jour petit Job, il a mangé, il a bré divin. Il est capable de dire, grand frère. Il arriva auprès de Job, un messager qui dit, un messager qui vient qui dit, Job, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil d'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Waouh! Il parlait encore pendant le premier palais, pendant la palais, lorsqu'un autre vint et dit, le feu des dieux est descendu, est tombé du ciel. Dit, fais mon Dieu sur ton ciel là, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Mouton yo, serviteur yo. On dit fait que ce temps celle-là boule yo, kakane yo. Il dit, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore pendant des. Disait mon n'a parlé, on l'a encore vu, on troisième monde. Des caldeillés formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil d'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore au quatrième, lorsqu'un autre dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Pendant petit tour, il a mangé, il a fêté. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Waouh! Quelle calamité! Alors, Job se leva. Après toute bagarre, Job levé, déchira son manteau, se rasa la tête. Coupé cheville, puis se jetant par terre. Qui ça dit? Il se prosterna et dit, mais ça, Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti tout nu dans ma maman. Et nu, j'ai retourné dans le sein de la terre. Mais sur la terre sans rien. Et je suis sans rien. Waouh! Quand nos paroles. Job dit, je suis sur la terre sans rien. Embralé sans rien. Devine sans rien, embralé sans rien. Est-ce que nous comprenons ça, hein? La terre, tout ça sur la terre, nous besoin pour nous servir, nous besoin pour nous utiliser. Mais un jour, que l'on veut ou non, quitter sur la terre. Fait tout effort, travail, fait l'argent. Il y a des gens qui tellement travaillent, fait l'argent. Quand ça va arriver, il n'y a pas de temps pour jouer comme là. Là, qui est-ce qui va jouer comme là pour vous? Mon dieu, quoi le jouer. Imagine mon a travaillé 24 sur 24. Pas de temps pour jouer comme là, pas ça. Là pour mourir, river pour mourir, quitter, pas ça. Qui est-ce qui va jouer? L'autre monde. On travaille fait comme ça, on pas de temps pour manger. Pas de temps pour relaxer, on fait comme là ça. Mais comme là pas servi en rien sous pas jouer. Sous pas jouer là, j'en va faire. Li pas servi en rien. Ou besoin prend plaisir avec quoi ou faire. Mais soit fait quoi pour pas gain temps pour jouer là. Li pas servi en rien. Ou pral quitter pour monde des jouer.
Imagine un monde cap, il y a un monde c'est travail, fait l'argent. Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on met ton temps pour jouer? Non. Parce que plus il y a travail, il y a fait quoi, il y a fait plus quoi, il finit par jouer. Jusqu'à ce qu'on mou quitte le der. Job dit, je devine ça, hein. Et m'a retourné dans terre sans rien. Il dit, l'Éternel a donné, mon Dieu te baille. Ça c'est parole tout chrétien, tout vrai chrétien t'a donné. L'Éternel te a donné, mon Dieu te baille. Et l'Éternel a ôté. Bon Dieu te baille, bon Dieu prend. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour nous, bon Dieu béni. Et tout cela, Job ne pécha point. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Malgré tout le bagage qui passé, Job n'a pas attribué rien qui est injuste à Dieu. Son j'aime le perdit tout bien, tout bien, petit, il perdit tout le bagage. Il n'a pas attribué rien qui est mal à bon Dieu. Il dit, bon Dieu te baille, bon Dieu prend. C'est pour nous, bon Dieu béni. Ces paroles, pardon. L'Éternel a donné, a été. Béni soit le nom de l'Éternel. Un à un, les participants de la chorale des enfants de Dieu disparaissent de la terre et leurs accents ne sont plus perceptibles pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à prendre une place laissée vide dans cette chorale pour répéter sur la terre les chants du ciel? Bien, question ça nous poser. Et c'est ça. Nous allons répondre dans la prochaine étude là. C'est pour nous, bon Dieu béni. Bon Dieu te baille. Bon Dieu prend. Va, oui. C'est pour nous le béni. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons. Nous louons, Seigneur, pour amour, compassion, miséricorde. Nous t'exerçons envers nous, Seigneur. Si nous vivons encore une souffle de vie, nous respirons, Seigneur, c'est grâce que vous faites, c'est faveur, nous pas mérité ça. Nous bénissons, Seigneur, pour amour, ça, pour grâce, ça, non, Seigneur. Où te voyez Jésus, vient nous en place, nous pour nous gagner espérance, la vie éternelle. Nous, bon gloire, Seigneur, nous magnifions. Nous exaltons pour soyer, Seigneur, pour soyer. Nous glorifions, non, Seigneur, pour soyer. Nous exaltons, nous levons bien, au Seigneur, mettez gloire, au mettez adoration. Nous vivons encore une souffle de vie, nous respirons. Pour moun ki getan pa gis encore sur la terre, Seigneur, pour moun ki getan quitté la terre, nous là encore n'a vu, Seigneur, qui est-ce nous y est? Nous sommes rescapés. Pour moun ki getan quitté terre ça, pour moun noté qu'on est qui getan pa existe encore sur la terre, Seigneur, ou mérite l'orange, ou mérite honneur, mérite adoration, Seigneur. Nous mettez genoux devant pour nous glorifier, pour nous exalter, pour nous magnifier, pour amour ça. Nous mettez genoux devant, Seigneur, pour nous magnifier, pour nous exalter, pour amour, compassion, miséricorde, tu descends vers nous, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifier, nous exalter, ou grand Seigneur, sinon là encore n'a vivre, Seigneur. Ou grand Seigneur, sinon là encore n'a vivre, Seigneur, souffle de vie n'a respiré. Ou mérite adoration, mérite l'on n'a vivre, Seigneur, souffle de vie n'a respiré. Ou mérite adoration, mérite l'orange, remerciement, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Qui est-ce nous y est? Qui est-ce nous y est, Seigneur? Jusqu'à présent, on va prendre soin de nous, Seigneur. Ou cacher nous, Seigneur. Mettez force dans nous, Seigneur, pour ne pas être ingrat envers, Seigneur. Nous pas de ingrat envers, Seigneur. Son bon Dieu qui est grand, un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui est réel. Un bon Dieu qui fait intervention dans temps, Seigneur. Ou fait intervention dans temps, Seigneur. Les toutes bagailles paraissent impossibles. Pour ou même yo possible parce qu'on dit pas gagner qui est impossible à mon qui quoi Seigneur nous adorer ou Seigneur nous pas qu'assis pour adorer ou nous pas qu'assis pour glorifier ou célébrer non Seigneur que ton nom soit magnifié que ton nom soit exalté que ton nom soit magnifié que ton nom soit rehaussé que ton nom soit alléluia soit adoré c'est pour nous adorer Seigneur c'est pour nous glorifier c'est pour nous magnifier papa pour bagarre qu'on fait sur la terre. Ou créer le ciel là tout ça la donne. Ou mettez sous des vignes, nous mettons camper sous des pieds, non Seigneur. Ou bah non démer Seigneur pour le vent. Qui est-ce nous y est? Ou bah non déjà Seigneur, mon qui parle, ouais, mon qui avec là. Nous des chances pour nous ouais Seigneur avec déjà nos Seigneur. Qui est-ce nous y est Seigneur? Des pieds pour marcher Seigneur, mon qui va des pieds Seigneur. Ou mettez gloire papa, ou mettez louange, ou mettez adoration Seigneur. Ou mettez remerciement pour bagage ça, Seigneur. L'en garde ciel là avec terre, garde nous-mêmes, nous garde tête, non Seigneur. Nous c'est même seulement qui mettez louange, honneur, louange, adoration pour soyez Seigneur. Nous l'avons qu'on a vive. Pour le monde qu'on a gagné pour aller sur la terre, nous l'avons qu'on a vive. Ou mérite adoration, Seigneur. Moi adoré au Seigneur, moi glorifié au Seigneur, moi magnifié au Seigneur. Moi levez nos biens pour amour, ça, pour compassion, miséricorde, ce qui descend envers, Seigneur. Envers famille, Seigneur. Nous levez nos biens, Seigneur. Qui est-ce nous y est? Ou prends soin de façon spéciale, faire provision pour nous, Seigneur. Ou prends soin de famille, non, Seigneur. Ou voyez l'argent pour nous, Seigneur. Nous fonctionner, Seigneur. Qui est-ce nous y est? Nous pas demander, nous pas qu'à monde. Nous la caille, non, Seigneur. Qui est-ce nous y est?
Ça, c'est grâce. Nous jouons quoi bien fonctionner qui est-ce que vous faites provision pour nous? Nous pas bien fonctionner qui est-ce que vous faites provision pour nous? Nous pas cassis mal adoré. Nous bénissons Seigneur pour amour ça, pour grâce ça. À mon compassion, mes écoutes sont des excellents, Seigneur. Moi bénissons Seigneur. Non pas pour parce qu'il est bon, mais au nom de Jésus ton Fils qui vécurait au siècle des siècles. Amen. Partagez étude là. Pour plus de monde capable de connaître bon Dieu, pour plus de monde capable de glorifier Seigneur pour amour, pour grâce, compassion, miséricorde, c'est serviteur Jean-Christel Pétion qui t'a partagé par le Seigneur.